Ce vendredi, vous êtes en nombre à nous recevoir des quatre coins du Burkina Faso. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, outiller les apprenants et les enseignants pour plus de créativité pédagogique, c'est l'objectif principal de la plateforme UTIS. Mise en place par Unicom SA, une session de formation est en cours en vue d'imprégner les acteurs du système éducatif face à cette innovation et puis pandémie de la maladie à coronavirus. Le président américain Donald Trump et son épouse ont été testés positifs. Le couple se serait mis immédiatement en quarantaine pendant que les messages de soutien se multiplient à travers le monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette session d'information. Unicom SA a initié une formation sur sa plateforme dénommée UTIS au profit des enseignants et des apprenants. Cette formation vise à outiller les acteurs du secteur éducatif pour plus de créativité pédagogique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce vendredi. Voyons cela avec Gédéon Tapsoba, Antoinette Bénin. En vue de briser les obstacles liés à la distance et de favoriser une interaction entre apprenants et enseignants, Unicom SA a mis en place une plateforme dénommée UTIS. Ainsi, pour garantir l'efficacité des cours dispensés, une formation a été donnée aux différents acteurs pour plus de créativité pédagogique. L'objectif en fait de cette formation, c'est de permettre aux apprenants de pouvoir être autonomes en création de ressources pédagogiques adaptées pour la formation en ligne. Parce que le Covid a révélé que, certes, nous avons des faiblesses au niveau infrastructure, Internet, on se plaint, etc. Mais en réalité, derrière, il y a aussi une faiblesse au niveau compétences, au niveau des formateurs, au niveau des enseignants, au niveau de toute personne qui intervient dans un programme de formation, à créer un contenu pédagogique qui est adapté pour la formation en ligne. Ce n'est pas parce que je mets un texte, que j'envoie un texte à un étudiant, à un enseignant, à un élève, à un apprenant, que je fais de la formation en ligne. La formation en ligne, c'est du numérique. Et pour arriver à captiver, à capter l'attention des apprenants, ben, il faut arriver à développer des ressources pédagogiques qui soient dynamiques, qui utilisent du son, qui utilisent de l'image, qui utilisent de la schématisation. Donc l'intérêt, c'est de permettre en fait aux apprenants d'être autonomes, de pouvoir créer eux-mêmes des ressources pédagogiques qui soient intéressantes en fait pour vendre leurs compétences. Cette formation qui se tient du 2 au 3 octobre 2020 est la bienvenue selon les participants car elle va renforcer leurs capacités. La formation, c'est pour acquérir des aptitudes dans la création de contenu pédagogique. Voilà, ambitionnant accorder des formations dans une discipline bien donnée, je suis là pour me performer. Et comme ce qu'on disait tantôt, il ne suffit pas de pouvoir partager un savoir, il faut pouvoir le faire de façon professionnelle. Voilà, et c'est dans ce cadre-là que je suis là. Ce que nous avons pu apprendre en quelques minutes, on peut déjà dire que ça s'annonce bien satisfaisant. C'est vrai que c'est un début, mais on a confiance et on sait que c'est une formation accordée par des formateurs aguerris. On est confiant pour la suite. UTIS, qui est une plateforme de formation en ligne, entend construire un contenu pédagogique pour toute personne qui souhaiterait apprendre quel que soit le domaine dans lequel elle évolue. Alors conçue pour prendre en charge des millions d'utilisateurs, cette plateforme s'adapte aux différents programmes d'apprentissage, souligne le formateur. Et puis l'association Nature et Développement en quête de plus de visibilité sur son initiative Air et Territoire du patrimoine autochtone et communautaire à PACA, mise en place pour la conservation des aires protégées, a initié une formation à l'endroit des journalistes pour mieux présenter l'initiative et donner son importance pour le Burkina Faso. Le reportage de Gédéon Tapsoba, Antoinette Bénin. L'association Nature et Développement, en abrégé NatuDev, a organisé ce 1er octobre 2020 à Ouagadougou un atelier de formation sur les aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire à PAC au profit des hommes des médias. Objectif: contribuer à la promotion de la PAC au Burkina Faso afin de soutenir les communautés villageoises dans leurs efforts de sauvegarde des sites naturels d'intérêt communautaire. Aujourd'hui, l'atelier, on s'adresse particulièrement à une catégorie d'acteurs essentiels, qui est la catégorie des médias, parce que les APAC ont besoin d'être connus. Pour être connus, il faut de la visibilité. Et vous êtes les meilleurs acteurs pour nous aider à faire parvenir cette visibilité.
Nous aimerons qu'au-delà des organes de médias de Ouagadougou, qu'à travers le pays, vous puissiez nous aider peut-être avec des contacts et que nous puissions avoir de la collaboration avec les médias pour vraiment augmenter la visibilité dans le but que tous les acteurs s'impliquent dans la conservation de ces ressources naturelles essentielles pour nos communautés à la base, pour notre pays et pour le monde. Cette initiative expérimentée depuis 2017 au Burkina Faso a permis de déchiffrer plusieurs sites conservés par les différentes communautés. Au niveau des villages, vous allez voir qu'il n'y a pas actuellement de village qui n'a pas un espace naturel pour la pâture. On appelle ça les aires de pâture. Il n'y a pas de village qui n'a pas de piste pour le bétail. C'est la communauté qui gouverne. Il y a aussi le grand lot des forêts villageoises. Il y a aussi les points d'eau sacrés. C'est là en fait, on a trouvé une notion pour regrouper, qu'on appelle effectivement des APAC. Et l'importance de la notion est que ça, elle comble un vide. Parce que vous allez voir qu'on met l'accent souvent sur les forêts de l'État, sur les grandes forêts classées. Alors que ces forêts ne sont présentes que dans une petite partie du pays. Peut-être sur trois, sur les 13 régions où ils sont concentrés. Le reste, c'est comment? Alors qu'effectivement, le reste de ces ressources forestières, si elles sont détruites, ces ressources naturelles sont détruites, c'est la vie même des communautés qui est en jeu. Parce que ce soit pour la santé, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les traditions, les communautés comptent sur ces espaces-là. Selon le directeur national de l'Office des aires protégées, cette initiative mise en place par NatureDave est une contribution à la politique nationale de conservation de la nature. Cette année est une occasion pour nous, surtout que nous parlons exclusivement cette fois-ci des aires de conservation communautaire. Ces aires qui sont méconnues sont de petite taille, mais sont des aires vraiment qui viennent compléter ce que nous luttons pour protéger. Le ministère de l'Environnement est en charge de la conservation des aires protégées, en fait, de la nature. Mais l'initiative des communautés, le fait d'avoir également ces initiatives, ces aires protégées, c'est une contribution, j'allais dire, à la politique nationale de conservation que l'État a en matière de contrôle des ressources naturelles. En plus de la visibilité recherchée par la structure, plusieurs autres défis restent à relever, notamment la croissance démographique, les activités minières et la non-reconnaissance légale de la gouvernance communautaire des aires de conservation de la nature. En rappel, cet atelier de formation a permis aux journalistes de mieux connaître ce que c'est que la PAC. Nous parlons toujours formation dans cette édition, mais cette fois-ci dans le registre chrétien. La première promotion de l'école de formation en relation d'aide chrétienne EFRAC a reçu le 26 septembre dernier son attestation de fin de formation. 29 étudiants et étudiantes ont répondu à l'appel en se faisant outiller pour sauver des vies. C'est un reportage de Yannick Kabore et d'Antoinette Benon. L'école de formation en relation d'aide chrétienne EFRAC a fait sa première sortie promotionnelle le 26 septembre 2020 à Ouagadougou. Ce sont au total 29 étudiants qui ont reçu leur diplôme. Ainsi, les lauréats ont été outillés sur plusieurs modules entrant dans le cadre de la relation d'aide chrétienne. Nous avons appris, en fait, un ministère qui nous permet d'aller au secours des personnes en détresse, des personnes qui ont traversé des difficultés, tel contre le rejet et qui finalement souffrent au-dedans d'eux-mêmes, ce qu'on appelle les blessures internes. Créée en 2001, l'école de formation en relation d'aide chrétienne a pour objectif d'accompagner toute personne qui se sent isolée en période de crise et qui connaît momentanément des problèmes relationnels. Le pasteur Pierre Nikema, directeur fondateur, donne la particularité de EFRAC. Nous savons bien que dans la vie, parfois et même quand Jésus était sur terre, il n'occupait pas seulement que le corps, parce qu'il parlait aussi de l'esprit. Parce que le problème qui est là, c'est que souvent si nous nous occupons seulement du corps, parce que le corps est quelque chose qui est extérieur, mais l'intérieur, c'est ça qui compte beaucoup. Parce que les blessures, les différents problèmes, ça touche l'intérieur, l'esprit. Donc, il faut aider à ce que la personne puisse vraiment s'épanouir, connaître qu'est-ce qui se passe dans ma vie,
et pourquoi je suis comme ça, et pourquoi je souffre comme ça, et qu'est-ce qui m'a arrivé, pour pouvoir maintenant lutter pour sortir du problème qu'il a. Et c'est pour cela, quand j'ai fait la formation en relation d'aide, ça m'a ouvert les yeux. Et également, le Seigneur m'a donné cette vocation pour que je puisse vraiment aider les hommes de Dieu et les fidèles. Premièrement, pour qu'ils puissent eux-mêmes d'abord avoir la guérison dans leur intérieur et pouvoir maintenant aider les autres. Pour le parrain de cette cérémonie de remise des diplômes, le travail ne fait que commencer pour ces lauréats. J'ai dit aux étudiants que c'est maintenant que le combat commence parce que c'est des outils qu'on leur a donnés pour mener à bien la mission que Dieu les a confiée. Et comme je l'ai dit, ils sont un exemple parce que c'est la première promotion et c'est à eux aussi de donner l'exemple. Malgré les difficultés qui vont surgir, malgré les problèmes, je crois qu'en regardant à Jésus-Christ, la victoire est assurée. Notons que parmi les 29 lauréats, 9 ont suivi une formation biblique. Aussi, ces lauréats regroupent 3 nationalités telles que la nationalité burkinabé, béninoise et togolaise. Ainsi, ils affirment être prêts pour bien mener la mission qui leur a été confiée. Et nous ouvrons la page de l'actualité hors de chez nous. La présidente de la Commission de l'Union européenne s'entretiendra samedi avec le Premier ministre britannique par visioconférence. Il s'agira pour eux de faire un bilan des négociations commerciales, un entretien qui intervient au moment où l'Union européenne vient de lancer une infraction contre Londres. On voit cela donc dans cet élément. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'entretiendra par visioconférence ce samedi avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Objectif, faire un bilan des négociations commerciales et discuter des prochaines étapes. Un entretien crucial alors que l'UE a lancé une procédure d'infraction contre Londres sur le Brexit. Maintenant, l'Union européenne va craindre que le Premier ministre ne tienne pas sa parole et elle doit donc s'assurer de mettre en place des mécanismes efficaces dans tout accord afin de garantir que le Royaume-Uni ne revienne pas dessus. Le temps à venir est à l'orage. Il ne faut pas être météorologue pour le voir. La semaine a certes commencé par des fuites optimistes de sources gouvernementales parlant de percées sur les points d'achoppement de la pêche et des aides d'État, mais elle s'est terminée par une procédure en justice, une impasse et par la nécessité pour les dirigeants de se réunir pour sauver la situation. Il est inévitable que dans des négociations avec de tels enjeux, les dirigeants doivent se réunir pour trouver un compromis. Cela permettra-t-il une avancée? Nous verrons où commencera-t-on à parler à nouveau d'une prolongation des délais. Je pense que c'est plus probable. C'est l'un des titres phares de cette édition. Le président américain Donald Trump et son épouse Melania ont été testés positifs au coronavirus. Le couple présidentiel s'était placé en quarantaine quelques heures avant ces résultats car une proche conseillère de Donald Trump avait été testée positif. Pendant ce temps, les messages de soutien au couple se multiplient à travers le monde. Le président américain et la première dame Donald et Melania Trump ont été testés positifs au Covid-19. C'est Donald Trump lui-même qui l'a annoncé dans un tweet. Un médecin a ensuite affirmé que Trump allait bien et qu'il passerait sa convalescence à la Maison-Blanche. Le meeting électoral de Trump prévu ce vendredi soir en Floride a été annulé. Quelques heures plus tôt, le président avait d'abord confirmé que sa proche conseillère, Hope Hicks, avait été testée positive et qu'il se mettait en quarantaine avec sa femme. Hope Hicks était à bord d'Air Force One avec le président pour se rendre mardi dans l'Ohio au débat face à Joe Biden, puis mardi dans le Minnesota pour un meeting de campagne. Donald Trump a laissé entendre que sa conseillère pourrait avoir contracté le virus au contact de soldats ou de membres des forces de l'ordre. Le président américain se soumet régulièrement à des tests Covid-19, même si la fréquence exacte de ces derniers n'est pas connue. Ses proches collaborateurs sont en revanche testés quotidiennement, comme les journalistes qui se rendent sur place ou voyagent avec le président.
Donald Trump positif au coronavirus. Aussitôt annoncé sur les réseaux sociaux, la nouvelle a fait le tour du monde. En Europe, de nombreux dirigeants ont adressé leurs meilleurs vœux au président américain et à son épouse, notamment le président du Conseil européen, Charles Michel, qui a souligné que la lutte contre le Covid-19 était un combat mené quotidiennement par tout le monde, où que nous vivions. L'Allemagne a également adressé un message aux locataires de la Maison-Blanche. Au nom du gouvernement fédéral, je souhaite au président américain et à son épouse un prompt rétablissement en espérant qu'ils surmonteront l'infection sans aucune conséquence. Donald Trump a également reçu un message du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui avait été hospitalisé en avril après avoir contracté le virus. Bien évidemment, je pense que nous voulons tous adresser nos meilleurs vœux au président et à la Première Dame, et je l'ai fait ce matin, comme vous pouvez l'imaginer. De son côté, Vladimir Poutine a envoyé un télégramme au président Donald Trump souhaitant un prompt rétablissement à lui et à son épouse. « Je suis sûr que votre vitalité, votre vigueur et votre optimisme vous aideront à faire face à ce dangereux virus », a écrit le président russe. Fin de ce journal, mais avant je reprends pour vous les grands titres à développer dans cette édition. Outiller les apprenants et les enseignants pour plus de créativité pédagogique. C'est l'objectif principal de la plateforme UTIS mise en place par Unicom SA. Une séance donc de formation est en cours en vue d'imprégner ces acteurs du système éducatif sur cette innovation. Et puis pandémie de la maladie à coronavirus, le président américain Donald Trump et son épouse ont été testés positifs. Le couple se serait mis immédiatement en quarantaine pendant que les messages de soutien se multiplient à travers le monde. C'est la fin de ce journal, c'est la fin de la semaine. J'ai été ravie de vous tenir en haleine tout au long de cette semaine. Bonsoir à vous qui nous avez reçus depuis la ville de Tousiana. Nous nous quittons avec le verset 11 du chapitre 8 des Proverbes. Excellent week-end à toutes. Une autre équipe prendra le relais la semaine prochaine. Bonsoir, chou.